Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de notre aventure sur Ratchet & Clank. Salut Mekai ! Hop là ! Et il se trouve que, eh bien, je l'avais pas remarqué à la fin de l'épisode précédent, mais nous avons enfin les 30 000 boulons nécessaires pour acheter le Griffer Tesla. Allez, c'est parti, on l'achète du coup. J'espère vraiment que cette arme sera intéressante. On va acheter quelques munitions. Hop là, ça coûte... Oh, ça coûte pas très cher, ça va. Ah ouais, déjà elle est assez impressionnante comme arme. Alors écoutez, on va vite l'équiper dans notre raccourci d'armes à la place de... Ouais, toutes les armes que j'ai raccourcies sont utiles. Bon, à la place du gambon, vous savez quoi. Le gambon, mais c'est pas le plus utile non plus. Hop. Hop là, voilà. Et donc on est revenu sur cette planète. Alors attendez, j'aimerais bien retenir le nom de cette planète tout de même. On a quoi? On était sur la planète Kalebo 3 avec le site Gadgetron et nous sommes revenus dans l'usine de robots sur Quartu, voilà, c'était le nom que je cherchais, Quartu. Donc dans cette planète, voilà, on avait toute cette partie de l'usine qu'on n'avait pas encore explorée, bah justement l'usine de robots. Donc on va mettre notre Hondo Leguizer avec... Oh, attendez, on est un peu loin là. Hop là. Oh là, il a vu qu'on n'était pas un vrai. Aïe, je me fais maltraiter. Je me fais maltraiter par ce robot. Écoutez, faut qu'on se déguise un peu plus loin, j'ai l'impression. Hop. On est lent quand on a un petit robot comme ça. Salut! Voilà, donc là ça marche. Donc voilà, on a un petit déguisement de robot, c'est tout bidon comme machin. Et du coup, on se fait plus attaquer par ce petit bonhomme. Alors bon, celui-là, je pouvais peut-être le tuer, je sais pas. Je vais voir au niveau de la porte. Je l'ai pas tué parce que je me suis dit que peut-être qu'il allait m'ouvrir. Eh oh! Au lieu de me bousculer. C'est impossible ça. Voilà, lui il va mourir derrière. Hop, et après, hop là! Voilà, c'est comme dans la cinématique pour ceux qui l'ont vu dans l'épisode précédent. D'accord, je peux pas monter comme ça. Je pense qu'il faut pas le tuer celui-là, j'ai l'impression. Faut lui demander d'appuyer sur le bouton. Appuie sur le bouton! Non? Bon, d'accord. Dans ce cas-là, on va le tuer. Hop, ou alors quand il appuie sur le bouton, ça ferme le chemin, peut-être. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici, du coup? Ok. Donc on va attendre qu'il se retourne et on va se transformer en robot. Toc. D'accord, ça ne marche pas. Je voulais changer rapidement en appuyant deux fois sur triangle, mais ça ne marche pas du tout. Hop. Ça, c'est l'infiltration. Il ne se doute de rien. Allez, bim. Ok, donc c'est une arme qui crache de l'électricité. Donc en fait, c'est comme le... Finalement, c'est comme notre plastron mitraille, mais en continu. Donc ça tire peut-être plus vite, ça, à mon avis, ça doit... utiliser les munitions plus rapidement, mais ça doit faire plus de dégâts et être un peu plus efficace. Vu que ça tire en continu. Qu'est-ce qu'on a par là du coup? Hop! Visiblement pas grand chose. Ok, on va faire attention parce que là ils nous ont repérés. On va disparaître de leur vue, ça devrait être bon. Ouh, je suis parti! Inutile de vous inquiéter davantage. Ah bah dis donc, ils sont plutôt vénères, j'ai l'impression. Ils ne veulent pas relâcher leur sécurité. Ah, quand même. Quand même, c'est pas possible ça. Bon, ils sont plutôt doués ces petits robots protecteurs là, il faut le dire. Ah oui d'accord, c'est juste une porte que... Ah ok, enfin, c'est juste une porte qui s'ouvre naturellement. Et même pas besoin d'être un robot pour passer. Allez, on ne sait pas avoir deux fois cette fois-ci. Va falloir être rapide, faut tuer les deux là, c'est ça? Ça va pas être simple. C'est bon, on les a eu. Pas eu le temps d'appuyer. Allez bim, bon débarras. Bon, on continue notre infiltration.
Alors, par où est-ce qu'il faut passer? Là, faut passer tout à gauche. Je vois qu'il y a pas mal de petits robots ici. Ah, d'accord, ça sert à ça, donc ces fameuses caisses. Oh là, oh là, on va se la prendre celle-ci, non? C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Oh! Wow, c'était limite. C'est tout à fait limite. Et hop. J'aime bien la musique de cette planète. Tu vas pouvoir détruire ces robots sentinelles. Empêche-les d'appuyer sur ce bouton d'alarme. Vous n'appuierez pas sur ce bouton! Vous ne passerez pas! Oh, mais non, ils ont appuyé. Putain, cette arme est bidon. Arme bidon! Arme bidon! Mais non, mais pourquoi? Si un robot. Chut! Voilà. Espèce de robot, espèce de message audio qui ne sert à rien. Non, mon arme est nulle parce qu'en fait elle s'est concentrée sur un seul robot et elle a pas attaqué les autres. Voilà, ça au moins c'est efficace. Pas tant quoi. Hop là. Non, en vrai elle est bien l'arme, hein. Je pense qu'elle est bien, mais sur les robots ça marche pas vraiment, j'ai l'impression. Paradoxalement, parce qu'en plus c'est une arme qui crache de l'électricité. Ça devrait bien marcher pourtant. Je suis sûr qu'il y a un robot derrière qui monte la garde. Pas du tout. Ah, il y en a un là, regarde. Ils arrivent. Salut! Ok. Infiltration réussie. Alors, est-ce que je passe par là, là, ou est-ce que je vais là-bas? On va aller voir ici. Est-ce que je peux détruire sa machine? Ça sent le point de compétence, ça. Ça sent le point de compétence. Hop. Voilà, je crois qu'il en reste une ou deux. Non, visiblement il n'y en a plus. On a utilisé quelques munitions. C'est pas grave, alors il y a une caisse de munitions ici, c'est bon. On se remet bien. Allez, on va continuer l'infiltration du coup, c'était optionnel. Ah, attendez, il reste des caisses. De venir par ici. Oh, c'est quand même tellement plus pratique depuis qu'on a ramassé, ce qui permet d'attirer les boulons à une grande distance. Hop là. Salut. Ouh, il y a plein de boulons derrière lui. Voilà, moi ça c'est fait, une bonne chose de faite. Je voulais juste regarder, non, il n'y a rien d'autre ici. Hop, c'était dangereux ça. En fait, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de barrière protégée qui demande à ce qu'on demande à un robot d'appuyer sur un bouton, bah franchement, il n'y a pas vraiment besoin d'être discret. J'ai été repéré là, non? On va dans le doute. Ah ouais, si j'ai été repéré, mais ils font rien. Ouais, des chiens en alarme. Non, c'est bon. On n'est plus repéré. Ça se voyait aux petites lumières rouges autour de ma tête. Allez, on y retourne dans la petite zone. J'adore la façon de se déplacer comme ça. Je suis un robot. Vous allez tous mourir. Oh là là. C'est bidon ces armes, ça marche pas bien sur ces robots. Ils résistent bien aux armes, j'ai l'impression. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'était chaud. Et quoi là-bas? Ah, c'est pas ouvert. D'accord. Bon, on a mis un petit dégât, mais c'est pas grave. On a résisté. On a bien encaissé. D'autres machines de construction ici, on va les casser aussi. Je veux mon point de compétence. Pas possible ça. Hop. Il y a pas mal de caisses donc ça rapporte tout de même pas mal d'être ici. De visiter ces petites salles à côté. Donc c'est l'usine de robots, hein, donc c'est normal qu'ils sont en train de construire des robots par ici.
Bah alors, tu te détruis pas toi? C'est quoi le principe? Pourquoi est-ce que tu me résistes? Voilà. Non mais oh. Ah, j'ai plus de balles. Ah, encore un là-bas. C'est bon, là on les a tous eus, de l'autre côté. Parce que j'ai pas un point de compétence avec tout ça. Hop. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le même genre d'arme, hein, finalement. C'est à peu près la même portée, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et... voilà. On va tenter de détruire le robot, mais... j'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Ouais. Donnant quelques coups de plus. Non, bah écoutez, non, il y a peut-être pas de point de compétence lié à ça, c'est dommage. Ça me semblait une bonne idée, mais c'est pas grave. Alors, j'ai une munition de ça, moi. Hop là. On ne sait pas ce qui se cache derrière, il vaut mieux se transformer. Comme c'est gentil de m'avoir ouvert. Hop là, ciao. J'aime bien parce qu'ils ont toujours un petit temps de réaction qui nous permet, d'agir. Ah, regardez. Voilà, ça devrait marcher. Ma main? Ah, je te jure. J'ai fait de mon mieux. Je sais. Regarde, c'est peut-être ta sœur, ça. Chers amis Blar, notre monde artificiel est opérationnel et prêt à vous accueillir. Mais il y a encore une toute petite chose qui nous barre la route. Ce minable petit grumeau de planète. Il a la malchance de se trouver sur l'orbite la plus parfaite de la galaxie. Mais plus pour longtemps. Voici le déplanétiseur. Le laser le plus puissant jamais inventé. Bientôt. Nous placerons le déplanétiseur juste au-dessus de la surface de la planète. Je me chargerai bien entendu moi-même d'appuyer sur le bouton pour faire voler ce grumeau en éclats. Personne n'échappera au spectacle. À très bientôt. Ratchet, est-ce que, ça va? Alors là, ça ne va pas se passer comme ça! Pardon? Bien sûr, j'aurais dû percuter plus tôt. Oh, tu sais, Drake va comprendre qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à ma planète. C'est quoi ce sourire niais? J'ai toujours su que tu cachais ce Ratchet en toi. Ouais, cause toujours. Allez, si on veut réussir, il faut qu'on s'infiltre dans le vaisseau de Drake et qu'on trouve où il cache ce fameux laser. Allez! Je ferai mon possible pour que tu sois fière, maman. Tu en as déjà. La traduction toute foireuse. C'est sûrement je le suis déjà. La vraie traduction, à mon avis. Donc c'est vrai que voilà, Clank sortait de ce petit tapis roulant. Voilà, on ne sait pas non plus vraiment d'où il vient, mais bon, a priori, ce serait sa mère. Oh là là, je l'ai frappé. J'espère qu'il m'en voudra pas. Allez, wouhou, on se barre d'ici. Mais on a eu combien de boulons sur cette planète? On a eu zéro boulon en or. Hein. Plutôt ridicule tout ça. Oh là là, calme-toi, toi. Il veut venger. Ces petits amis là, on a tué tout à l'heure. Ouh, c'était pas du tout une esquive volontaire, mais. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, mais ça a bien marché. Munitions. Salut, Mekai. On va acheter quelques munitions. Parce que là, c'est la crise. On a tout dépensé dans ma phase d'infiltration. On va acheter un petit peu ça, mais on a pas besoin de beaucoup. Voilà, et eh bien, très bien. Bah, on va quand même aller voir un petit peu la base de Drake. Ça peut être intéressant, donc là je pense que ça y est, on est enfin au niveau de la fin du jeu. Flotte de Drake, orbite Veldin. Trouvez le laser de Drake. Donc attendez. Eh, 0 sur 2. Je suis allé chercher un boulon là sur cette planète, justement au niveau du glissorail, comme je l'avais dit. Donc il fallait en effet taper sur les interrupteurs pendant qu'on faisait de la glissade. Et ça m'a permis d'obtenir un petit boulon en or. Alors par contre, sur cette planète, c'est un grand mystère. Je n'ai pas encore lu vos commentaires qui m'indiqueraient où est-ce qu'il se trouve. Et j'en ai aperçu zéro, donc c'est vraiment mystérieux. Pourtant, on a bien fait le tour de la zone. Donc j'ai dû, à mon avis... enfin, j'ai pas dû assez, justement, jeter de coup d'œil à droite à gauche, sinon je les aurais remarqués, je pense.
Alors, bah nous voilà, donc au niveau du vaisseau du grand méchant. On a toujours pas acheté le TELT, j'aurais bien aimé l'acheter quand même avant la fin du jeu. Peut-être falloir que je fasse cette petite ruse pour gagner tous les boulons là, dont on m'a parlé. L'espèce de... pas vraiment de cheat, mais d'exploit de bug ou... je sais pas vraiment, j'ai pas bien compris comment ça marchait. Mais bon, fallait certaines armes pour le faire. Faudrait que je regarde, à mon avis il doit y avoir des petits tutos. Faudrait que je regarde ça pour voir à quoi ça ressemble, si c'est faisable, si c'est trop cheaté ou non. Parce que j'aimerais bien quand même l'acheter ce TELT, j'ai pas non plus envie de passer 3 heures à farmer. Encore ! Impossible ça. Cette fois-ci c'est fini l'infiltration. J'ai assez donné moi. On y va à la bourrin maintenant. Ah d'accord, ok. C'est bon, j'y vais pas à la bourrin, j'y vais pas à la bourrin. Pas de soucis, mon bonhomme. On va te faire un petit coucou, y a pas de problème. Je sens que t'es en manque d'infection. Nos soucis. Allez, on lui fait un petit coucou, il va être content. Salut. Voilà. Est-ce qu'on peut les aspirer à ceux-là ? On peut pas, mais par contre, ils crèvent sur les rayons laser. Oh oui, il pleut des boulons sur cette planète, ça c'est cool. Ça sentait le piège, mais finalement non. J'ai pas bien compris à quoi servaient les lasers. Dans la salle d'avant d'ailleurs. C'est bizarre. Alors, cuirassé. Ah, y a vraiment plein de caisses ici. Plutôt cool. Wouh! Ils se calmeront plus vite comme ça, je pense. On va pas perdre de temps. Plus le téléporteur est très rapide. Alors, à quoi servaient les lasers? Bah peut-être justement de bloquer le passage. Et bim! Magnifique. Oui, je suis à fond dans, l'infiltration, moi, quand je m'infiltre. C'est pour tout donner. Allez hop, c'est parfait. Alors là, c'est une salle remplie de boulons, regardez-moi ça. Ah, c'est trop cool. Hop. Non. Je le sentais bien ça. Ok, c'est bon. On est bon, nos problèmes. J'aurais dû me changer en robot avant d'ouvrir la porte. Je pensais pas qu'on aurait besoin de s'infiltrer aussi longtemps, que ce gadget servirait aussi longtemps. Allez, ouvre-moi la porte. Coucou, coucou. Hey, salut, ça va? Ah ah. Et bim. Coup de grâce. Ouh, des caisses. Je prends. Boulon, boulon. Ok, où est-ce qu'on est arrivé là? Plutôt joli. Croiseur léger. On se balade dans le vaisseau. Alors, faudrait qu'on a éliminé les ennemis en face là. Je vais avoir quelques soucis en atterrissant sinon. Voilà, on en a eu quelques-uns. Ça devrait être bon. Pour les autres, on fera comme ça. Parfait. C'était plutôt efficace. Est-ce qu'on va devoir se transformer aussi? Ah, c'est pas efficace ça. Voilà. Ça a beaucoup de mal à viser ma cible en fait cette arme. En revanche, ça a vraiment une portée intéressante pour balayer toute une salle comme je l'ai fait là juste avant. Là-dessus, ça marche bien.
Alors voilà. On va aller faire coucou de loin, on sait jamais ce qui pourrait se passer. Un point de compétence. Wow, je sais pas pourquoi. C'est très bien. Peut-être parce qu'il fallait tuer tous les robots de surveillance. C'est ce que j'ai fait. Hop. Du coup, ça veut dire qu'on est sûrement arrivé à la fin. Je ne sais pas. Vaisseau amiral de Drake. Croiseur léger. On continue notre exploration. Une petite vie. Est-ce que j'avais perdu de la vie? Je ne sais plus. Oui, parfait. Mais là, c'est bloqué, là, du coup. Bon, on va aller par là. Dans l'espace. Personne ne vous entend crier. Alors, voyons voir. Ouh. Stylé. Alors, il va falloir éviter les tirs de vaisseau. Les tirs de ces tourelles sont redoutables. Tu vas devoir les contourner. Ah, d'accord. Pas de soucis. Moi, je pensais qu'il fallait les éviter, passer en rythme. On sait pas trop où elles tirent, d'ailleurs, les tourelles, hein, mais... Mais elles tirent. Ça, c'est cool. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, non, j'arrête de... Toujours utiliser mes missiles trop rapidement. Ok, on se parle dans Star Wars là. Allez, bim bim bim. Voilà, je prends cher, je prends cher. Je prends très cher. Allez, on retourne à l'attaque sur les tourelles. On va éliminer la première avec les petits tirs. Parfait. Du soin, des munitions. Et on y retourne. C'est reparti à l'attaque. Tout. Ouais, on se croirait vraiment dans Star Wars. Parfait. Allez hop, on lâche les missiles dans l'étoile noire. Mission accomplie, retour à la base. Parfait. Top. Ah, c'est bien pensé de mettre des petites missions comme ça là qui remonte un petit peu le niveau d'action du jeu. Hop. Quand justement... Quand l'action commençait à retomber. Donc ça, c'est la planète de Ratchet, Veldin. Veldin, je ne sais plus. Je sais qu'il y a toute une histoire comme quoi Ratchet est le dernier de son espèce, et je crois que les jeux d'après tournent un petit peu autour de cette histoire aussi. J'avoue que c'est assez intriguant, je ne me souviens plus si c'est le cas ou pas. Hop. Ce sera l'occasion de redécouvrir ça dans les prochains jeux. Alors... On va éviter de se prendre les lasers là. Vous ne me faites pas peur les petits toutous là. Ils se prennent pour Spider-Man au plafond. Ou alors c'est l'inverse, c'est nous qui sommes au plafond je pense. Ça me semblerait plus logique. Ah, il va peut-être falloir que j'en ai peur finalement. On va retourner voir derrière, j'ai peut-être raté un truc. Ok, mais alors à quoi ça servait d'aller là? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et en face, elle servait à quoi la porte alors? Bizarre ça. Elle est ouverte celle-ci. Ah. Bizarre. On va aller là en premier. Ce soir sur Plat TV, l'événement que vous attendiez tous, l'anéantissement total de toute une planète. Assistez à la puissance, à la destruction et au néant qui s'ensuit. Accompagnez le très grand président suprême Drake lorsqu'il appuiera sur le bouton qui anéantira un monde pour en faire naître un autre. Et restez avec nous pour assister au bêtisier intergalactique des super-héros avec les gaffes hilarantes du Capitaine Quark. Maintenant qu'on sait où il est, on va le choper. Info robot pour la planète Veldinek. Ok. Bizarre cette salle. Mais écoutez, je suis quand même intrigué.
va pas se laisser tout de suite, je suis intrigué. Voilà, à chaque fois je crois que c'est du vide. C'est pour ça que je disais qu'elle était bizarre cette salle, c'est que j'avais l'impression que c'était du vide en dessous. Parce qu'il se cache là-bas. On va aller voir ça quand même. Sur quoi je peux tirer là? Il y avait des cibles invisibles. Allez, on va transformer en petit robot le temps d'observer ce qu'il y a à l'intérieur de la salle. D'accord. Je pense qu'on peut se les faire facilement. Voilà, il est mort, c'est parfait. Alors, on va les tuer à coup de lance-missile. Parfait. Aïe. Ok, c'est bon, on est passé. Non, mais il doit clairement y avoir un truc dans le coin, là. Hop. En revoilà un. Aha! Attention! Attention! Hop là! Magnifique. Je savais qu'il y avait un truc qui se cachait par ici. Eh bien écoutez, très bien, nous avons bien exploré la base. On a trouvé un boulon. Bon, il y en a un deuxième sûrement caché quelque part. Je n'ai pas eu l'occasion d'apercevoir. On va prendre les munitions. Parfait. Et on ramasse les petits boulons. Et touc! Ok, et on peut revenir. Ah ouais, alors là par contre, qu'est-ce qu'on est paumé. Bah je pense que je vais revenir en arrière pour retourner jusqu'au vaisseau. Wouh. Ok, pas du tout, ça va pas marcher. Aïe, oui, ça brûle. Hop, ah bah tiens, regardez, des munitions. Parfait. Allez, je vais prendre le téléporteur là-bas. On va se laisser ici pour notre part. Merci d'avoir regardé cet épisode. Est-ce que le prochain sera le dernier? Bien, je ne sais pas. Peut-être que oui, hein, peut-être que oui, parce que là on est quand même sur... Enfin, on est quand même au niveau de... Je me souviens que la bataille finale se passe, je crois, justement au niveau de ce grand laser là qui permet de détruire les planètes. Donc là, bah, c'est fort possible que ce soit peut-être l'épisode final qui va se produire. Est-ce que je peux ramasser cette munition? Non. Bien, on verra bien en tout cas tout ça dans l'épisode suivant. Et d'ici là, portez-vous bien. Voilà, le petit vaisseau. Allez, ciao tout le monde.